Soucieux de préserver les moyens d'existence et la cohabitation pacifique des producteurs de la province de l'Ennedi-Est, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, forme les agents de l'ANADER et les représentantes des femmes productrices sur le concept caisse de résilience. Le chef de mission de la FAO, Molengar Gundo, explique le concept caisse de résilience. Cette caisse de résilience n'est pas une caisse où se trouve de l'argent, où on doit puiser pour travailler, mais c'est une caisse d'intelligence. Ça permet à toute une communauté de réfléchir sur les problèmes qu'elle est confrontée, de les hiérarchiser et de trouver des solutions. Cet outil est aussi proposé pour accompagner les producteurs à mieux asseoir leur façon de réfléchir, de penser afin de prévenir les risques de destruction de leurs moyens d'existence et d'engager le processus de mise en place des 10 caisses de résilience à travers l'identification des sites pouvant les abriter. Le gouverneur de la province de l'Ennedi-Est, le général Ahmad Kardaï Hissène, exhorte les 40 participants, dont 20 techniciens de l'ANADER et 20 représentants des producteurs, à suivre avec beaucoup d'attention cette formation afin de mieux appliquer ces concepts sur le terrain.